Bienvenue sur la Citizen Band. Salut tout le monde! Alors, super propag cet après-midi. Bon, comme bien souvent au QRA, j'ai pas eu le temps de me mettre en fréquence. Et vers les 16h jusqu'à là, tout à l'heure, il y a les départements français qui passaient, ça arrivait de partout. J'étais en écoute là sur le web SDR là, du QRA. Et là, du coup, je pars plutôt pour le pro, pour partir, pour profiter de la propag. Bon, j'ai toujours la station au QRA, bien entendu. Et je me connais. Test de connexion. Attention, les stations fréquence pour Dundee 33 qui se jettent dans la mêlée depuis le département de la Gironde dans les environs de Castillon-la-Bataille, Saint-Émilion. Ah, je crois que la propag a tourné vers l'Italie ou. Décortiquer. Bon, quand c'est le bazar d'un côté, voyons de l'autre. Attention, les stations fixes pour Dundee 33 qui lance appel en mobile depuis les environs de Castillon-la-Bataille, Saint-Émilion, le département de la Gironde. C'est pas vrai qu'il y a des casse-pompes qui se sont mis dessus en FM. Aïe aïe aïe. Bon, ça sert à rien de râler. C'est un Lincoln 2 plus et une antenne en trop en verticale. Ah ah. Eh ben voilà. Ouais, je pense que c'est la plus connue, hein, mais c'est pas spécialement la meilleure pour autant. Break. Fréquence pour Dundee 33 qui se jette dans la mêlée à Chitroicou depuis le sud-ouest France en mobile, le département de la Gironde dans les environs de Saint-Émilion.
station à station fréquence pour Dindy 33 qui lance appel en mobile depuis les environs de Saint-Émilion, département de la Gironde. 73 depuis 33 de Claude de Strasbourg là. Claude sur Strasbourg, waouh, ça passe. Moi je vais passer dans un trou et ça devrait remonter aussitôt après. Les 73-51 retournés, Dindy 33 en mobile. Sur le département de la Gironde, dans le secteur de Saint-Émilion. Et 73-51, Claude du 69, de Dindy 33, du 33. Les 73-51, Rocky 33, les départements français arrivent de partout. Tout à l'heure, c'était la cacophonie, c'était la totale. J'entendais le sud-est France, le nord-ouest France, ça arrive de partout. Les 73-51 Mégane de Dindy 33 en mobile depuis les environs de Saint-Émilion. Je suis en train d'arriver sur le petit village de Saint-Christophe-des-Bardes. Le département 22. Le département 22, les 73-51 du département 33 en mobile. Tu m'étonnes, j'ai même les sièges à l'intérieur de la voiture qui ont sauté en l'air tellement que tu m'arrives fort là dans le push. Ok, pas de soucis, moi aussi je te rejoins, les 73-51 à toi, ici le nord de France, 35 km de Lille. Waouh, les 73-51 à la station à 35 km de Lille, à Chy, et de Dindy 33 en mobile à côté de Saint-Émilion, le département de la Gironde. J'ai pas pu entendre ton UTH. Ouais, je disais 73-51 de Dindy 33 à un mobile à côté de Saint-Émilion. 73-51 de Claude de Strasbourg. Et 73-51 Claude de Strasbourg, Dindy 33 à mobile à côté de Saint-Émilion. Oh oui, qu'il y a du monde en mobile. Hop là, un éclair et un au café. Je l'ai vu, à Chy. Oh oui, qu'il y a du monde en mobile. C'est sûr qu'il y a du monde en mobile. Et il y en a de plus en plus, je crois, du monde en mobile. Deux.
Oh putain. Pour le département de la Gironde, la ville de Bordeaux. Les 73-51, la ville de Bordeaux, de la ville de Saint-Émilion, du village de Saint-Émilion, pardon, d'Indy 33 en mobile. Je suis en train d'arriver là sur Saint-Émilion. Là, je suis, quand j'ai vu la propague, oh, je suis pour le coup, je suis parti plutôt pour le pro. Comme ça, moi, je vais pouvoir me garer quelque part et en profiter un peu. Ah bah tu m'étonnes que je t'ai reconnu de suite, oui, affirmatif. Et ben oui, en plus j'arrivais au pro, donc de toute façon là j'étais passé en QRT pas longtemps après, quoi. Enfin dans les minutes qu'on subit, putain mais quel temps pourri, quoi. Et là, ce soir, en plus de ça, l'XYL est dans sa famille en Charente-Maritime. Du coup, je me suis échappé plutôt comme un voleur. Pour profiter justement de la CBI. Ah ben écoute, t'as raison. Attends, j'étais en train de faire attention un petit peu à la circulation parce que là, je viens d'arriver là, au niveau du rond-point là, de Saint-Émilion et ça a tendance à faire du grand n'importe quoi là, de ce côté-ci. Putain, mais hey, les gens ils sortent quand même, hein. Putain, mais ils viennent tous ici, hein, les bandes d'ivrognes. Non mais malgré le temps pourri qu'il y a ici, ouais, c'est de la flotte de partout. Je vois du monde de partout aussi. Putain, non mais sans déconner, quoi. Ah, on les voit les ivrognes, hein. On les voit, hein. Ah, c'est bien que tu peux, c'est pour les plus. Voilà, mon petit. Ah, mais ça, c'est bien que tu travailles d'un trou, les gens, c'est bien. Je suis agent de sécurité et bon je garde des trucs de ce côté-ci, quoi. Bon, je dirais pas trop là-dessus. Voilà, bon, j'embouche à 19h, hein. Alors là j'ai le temps là. J'ai le temps, c'est pour ça que j'ai en profité à max. Ah oui, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il n'y a pas un là. Ah, je sais pas, je vais laisser. C'est vrai que là j'ai pas trop laissé de blanc. Je vais laisser un blanc pour voir. Je suis en plein là de. Eh bien j'arrive sur les murailles. Voilà les murailles là au niveau de Saint-Émilion. Là, je vais essayer de me trouver un endroit là par là, un endroit gratuit. Parce que j'ai pas envie de me faire allumer non plus. Quoique aujourd'hui, je suis pas sûr de risquer grand chose. Mais bon bref, comme disait Pépin, ah bah tiens, peut-être que je vais tenter une connerie. Ouais, ça va peut-être le faire là. Ils ont fait comme chez nous, ça c'est vrai, ils ont mis tous les parties payantes. Oui, attends, je suis en train de penser à un truc. Le cimetière, en plus de ça, il sera certainement, il sera mieux dégagé. Et puis les voisins par là-bas sont pas trop chiants. parce qu'il y a bien un point de vue là où je me garais autrefois. Mais bon, ils ont mis des poteaux et du coup c'est mort. Je peux plus m'y garer là. Et là il est quoi? Il est 18h24. Ouais non, ça fait peut-être un petit peu léger là. Pas short du tout pour me coller contre. Non, je vais aller du côté du cimetière, ça va le faire. Ah, j'ai déjà passé à côté du cimetière, c'est vrai que c'est rien, il n'est trop rien. Ouais, il devra pas trop me faire de parasites. Ça devrait aller, quoi. Alors, tu veux retourner sur le 19 pour voir si François est toujours dans le coin? Ok, ben je vais retourner sur le 19 aussi. Je continue à profiter des copains et tout là qui sont là en fréquence.
Et ouais, j'ai en profité un peu aussi de mon côté. Les 73-51, toi, bon QSO. Et bah, qui sait, peut-être demain, demain même chose. Demain, l'XYL est au QRA. Oups. Je devrais partir vers les 18h20, 20-25 par là. Contrairement à aujourd'hui. Bon, je te laisse en profiter aussi. Les 73-51, plus tard. Ok, Rémi, il n'y a pas de souci, Rémi. Ok, bah on verra bien si la propague le veut bien, quoi qu'on est voisins. Hein. Qu'est-ce que je raconte comme connerie, quoi. On est voisins, ça le fera peut-être, on verra bien. Ok, merci, ciao. Oui, je l'ai entendu en tout QRP, les 73 François, de la part de Rémi, Dundee 33 en mobile sur Saint-Émilion. Ce bordel qu'il y a ici, on dirait que tout le monde, tout le canal 19 s'est donné rendez-vous ici. Ah, chez trois coups, oui, t'arrives à me sortir ce coup-ci, bah tu m'étonnes. Je suis pas au QRA, là, dans le trou, là, à Sainte-Colombe, mais sur Saint-Émilion, et là, je suis en train de me garer, là, au niveau du cimetière de Saint-Émilion. Voilà, comment c'est la rue? Chemin de Ramonet. Ah bah ça tombe bien, Ramonet au niveau du cimetière, ça va le faire. T'es toujours là, François? Je l'entends plus non plus, François. Alors, est-ce que c'est l'endroit qui est pas bon ou Bon, de toute façon, il y a une grosse propague. Hein. J'ai vu ça là au niveau de l'activité solaire et tout. Je me suis dit là, ça devrait le faire. Et ça le fait. Ça le fait même trop. Hachi. Bon, ok. Je vais me balader un petit peu sur les ondes, profiter des copains un peu partout. Là, sur le département français. Je te laisse. Bon QSO de ton côté. Amuse-toi bien. Bon apéro pour tout à l'heure. Et à plus. Oh bah moi c'est boulot hein. Mais t'inquiète pas pour moi, ça va le faire aussi. A plus. Ah, c'est trop petit ça. C'est trop petit. Bon, attention, les stations fréquences, c'est pour Dundee 33 qui lance appel en mobile arrêté depuis Saint-Émilion. Voilà, multi-bip que j'ai entendu en QRP, les 73-51 de Dundee 33 en mobile arrêté sur Saint-Émilion. Le pays des ivrognes. Ah, c'est quoi ça? Oh, il y a quelqu'un qui m'a fait monter le signal, mais c'est tout ce qu'il a fait. Ouais. Ouais. Hey, on est sur la CB ou on n'est pas, hein? Le département 24, les 73-51 du département 33, Dundee 33, mobile arrêté sur Saint-Émilion. Oh, ça passe, les 73-51 de Dundee 33, en mobile arrêté sur Saint-Émilion. Ah là, c'est la cacophonie. Oh oui, affirmatif. T'es à le 27.
Attention les stations fixes pour Dundee 33 qui lance appel en mobile de, en mobile arrêté depuis Saint-Émilion, département de Gironde. Wow, là ça, j'ai tapé un peu loin on dirait. Les 73-51, Dundee 33, mobile arrêté sur Saint-Émilion. Ah. Bon, c'est pas français. Hop. Zut, la fréquence est occupée. À vaut mieux être sur le 19 qu'ici. Hein. Non, j'accroche pas. Et 73-51, les stations de Dundee 33 en push arrêté sur Saint-Émilion. Ça, c'est de la FM. Ça crachote à la FM. Hein. Ah non, là je peux. Ça pète les tympans. Voilà. Là c'est plus fluide. Ouais, ouais, ouais. Vive la M. Ça c'est un petit clin d'œil. Attention les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel en push arrêté sur Saint-Émilion. Oui, Fabrice, c'est 73-51 de Dundee 33 en push arrêté sur Saint-Émilion, le département de Gironde, et sous la pluie en plus. Waouh, là il y a une balise qui est passée là. Canal 21, Nord-Est France, c'est parti pour le canal 21. Ouais, les 73-51 de Dundee 33, 14, bravo Charlie, 33-01 Rémi, en push arrêté sur Saint-Émilion, le département de la Gironde. Ok, mobile, c'est super ça. Bon, ça a du mal à passer parce qu'il y a pas mal de surmodulation, il y a du monde de partout. Hein. Et dire qu'il y en a qui disent, qui affirment même que sur les 40 canaux, il n'y a personne. Ah, chie trois coups. Eh bien, qui viennent écouter là de suite présentement et ils verront qu'il y a du monde. Ah, chie. Bon, de mon côté, côté WX, eh bien, c'est sous la pluie. Côté poste, c'est le président Lincoln 2 avec l'antenne Wilson 5000 au centre du toit.
Non, si, ok, d'accord. Le Georges II, ah, je le veux celui-là, il est trop beau. Quoi. Ah, je suis jaloux. J'espère bien en avoir un. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai un petit peu dans l'idée, là, d'ici peut-être la fin d'année, l'automne, voir pour revendre le Lincoln 2 et prendre le Georges II à la place. Ouais, il m'interpelle, il me cause là dans le fond de l'oreille ce poste. Bon, en tout cas, ça marche bien de mon côté, c'est du 57, 44, ça bouge un petit peu, et puis bon, il y a la propague aussi qui est là, qui ramène du monde, qui ramène de tout, mais ça fait bien plaisir en tout cas d'entendre comme ça là les autres départements. Hein. Ok, bon, tu sais, hein, tous les postes chauffent un peu. Hein. Pardon, excuse. Pour le Georges II, oui, c'est en projet, ouais, c'est sûr. Bon, après, tous les projets ne se concrétisent pas. Hélas, c'est le QSJ qui parle. Et en tout cas, ce poste, je trouve nettement plus représentatif de la CBI. Tel que je la conçois, tel que je la vois, que le Lincoln 2 qui pourtant marche très bien. Hein. Mais au niveau gueule, c'est sûr que le Georges 2, il n'y a pas de problème. Hein. Il est vraiment super beau. Quoi. C'est ouais. Alors, puisque tu es sur les réseaux et tout, ça partout, et bien justement, ça tombe bien. Je suis en train de faire une vidéo là en ce moment. Je vais la travailler cette nuit là, parce que là je suis pas très loin du pro. D'ailleurs, je suis en train de surveiller l'heure, il va falloir que je réagisse. Dès que j'ai fini là, il va falloir que je passe en QRT, que je m'avance, que j'aille au pro. En plus, c'est mon chef là qui m'attend là ce soir pour le remplacer, Hachi. Et il aime bien papoter lui. Alors, dès qu'on a fini ce petit QSO, j'irai le rejoindre. Hachi, trois coups. Mais autrement, oui. Alors, il y a le Georges 2, il y a le nouveau aussi, la version 28 mégas, là, son grand frère. Alors, lui, c'est pas compliqué, là. Son grand frère qui a exactement la même gueule, je sais plus le nom. En option président, met déjà un ventilateur. Déjà, eux savent que cette version 80 watts, je crois, est une vraie chaudière par rapport à son petit frère, entre guillemets, c'est-à-dire le celui-là que tu as, ou alors je me mélange les pinceaux. Non, le Georges 2, oui, c'est ça. Ah oui, voilà, le 28 mégas, c'est le Wilson 2, oui, je crois que c'est ça, j'ai rien sous les yeux pour regarder. Et le Georges 2 est la version CBI. Moi, je préfère le Georges 2. Hein. Même s'ils ont la même gueule, il est moins puissant et il n'y a pas besoin des 80 watts dans une petite boîte de conserve qui va vite te transformer en chaudière. Donc oui, c'est le Georges 2 que je préfère. Hein. Sans hésiter. Ouais, affirmatif. Hein. Mais écoute, enregistrez le break. C'est le président Washington là, qui s'en sortit en version 80 watts. Washington. Il y a un autre Georges 2 aussi, c'est le Georges 2 FFC ou FIC, quelque chose comme ça. Alors je ne sais pas.
pas, c'est quoi la différence avec le genre 2. Alors je pense que c'est un vol qui est destiné à un autre continent, peut-être, c'est pas possible. Voilà, mais sinon, ouais, ça reste un excellent vol, c'est quand même. Il y a beaucoup de fonctions très pratiques dedans, il y a, franchement, c'est bien, c'est une belle réussite. Largement plus que les CRT, la CRT a sorti son livre. Ouais, je sais pas, il est arrivé sur 136-174, non, je vois pas trop l'intérêt. Surtout qu'il n'y a plus trop grand chose à écouter maintenant sur les grandes lames. Pas bon, ouais, ils ont fait ça. Je sais pas pourquoi. Bon, CRT, ça reste CRT, hein, ils sortent un peu, après ils sortent des versions pour corriger les défauts. Et puis ceux qui ont les premiers, ben, ils ont les défauts avec. voilà, non, bah écoute, hein, c'est le temps, toujours fidèle à sa réputation, hein, je dirais. Voilà. Ouais, Washington, ouais, j'aurais pas acheté le genre 2, j'aurais su qu'il sortait un autre, j'aurais peut-être acheté Washington. Pour la puissance peut-être un peu plus confortable, hein, parce que là on est à peu près 25 watts un maximum en début. Et une quinzaine de watts dans la MFM, et bon bah voilà, ça suffit, hein, tu vas me dire, ça suffit largement, tu vois bien avec la propagation, voilà. Mais, bon après, faut voir, 80 watts, 60 watts à peu près, mais bon après, faut l'alimenter, hein, le bazar, hein. La batterie de la voiture, on voit la tête. En roulant, c'est pas gênant, mais quand il est à l'arrêt, c'est le moteur. Voilà. Ok, ouais, enregistrer le break. Ouais, bah, et là, je suis en push arrêté, mais moteur en marche. Hein. Alors, au niveau de la puissance, je dirais, je préfère avoir un poste moins puissant, comme c'est le cas, par exemple, de Lincoln ou du George 2. Baisser là-dessus encore un peu plus la puissance, rentrer dans un Alfa Lima. Alors, certains, je sais que ça va leur faire hérisser les cheveux sur la tête. Mais d'un autre côté, en baissant davantage la puissance du poste, ça permet d'avoir une meilleure stabilité du poste, tout en ayant un gain de puissance raisonnable derrière avec l'Alfa Lima. Je vois ça comme ça, quoi. Il est quelle heure? Je vais laisser rentrer le break, et après s'être dit bonjour, ben, je dirai au revoir à tout le monde, car je vois, il est déjà 43, il va vraiment falloir que j'y aille. Avec ta permission, en avant le break, avec les bonnes 113-51 de lundi 33. Ok, petit vieux 5-7, les 73-51, toi, 5-7 en plus. Et je connais 14 km, 57-01 justement, là, chez toi, là-bas, à chez trois coups. Ok, il y a l'assemblée des nations qui est arrivée derrière. Là, ce coup-ci, il faut que j'y aille. Les 73-51 à tous. Là, il faut vraiment que j'y aille. Les 73-51 renouvelés à tous. Dundee 33, 14, bravo Charlie, 33-01, Rémi, en mobile sur Saint-Émilion. Merci pour le QSO, bye. Ok, merci, je disais que je reprends pas, mais tiens, je me connais. Les 73-51 à tous, là j'ai vraiment pas le choix. Il faut que je coupe, faut que je cuirte. Les 73-51 renouvelés à tous, désolé, mais je peux vraiment pas rester en fréquence. Merci à tous, bye bye. Voilà, vache! Là, tu vas faire des jaloux à passer comme ça aussi fort. Les 73-51, tu passes plus fort que les stations fixes. Hachi! Les 73-51 renouvelés. Ce coup-ci, je prends plus le micro, sinon je me fous des tapes sur la main pour pas y toucher. Hachi, trois coups. Bye bye à tous! Ouais, salut! Thank you.
faire le QSO. Mais attends, je reprends la route, là, ça devrait passer meilleur après. Ouais, c'est, j'ai bien compris, tu vas. C'est bon ça, c'est super ça. Allez, les 73-51 tous, là encore une bonne vidéo. Celle-ci, elle sera meilleure qu'hier. Les 73-51 tous, Dandy 33, 14 bravo Charlie, 33-01 Rémi. Et bien à la prochaine et on verra bien demain ce que ça donne. Les 73-51 de la planète Sibi francophone.